Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Enzo Roy, Snippet ici, je suis là pour la suite de notre aventure sur Enzo et Fluffy. Hein. Donc on est vers l'épisode 16, 15 ou 16. Donc j'ai fait cette petite structure, hein, dont c'est ma petite maison maintenant. Ah, ça brûle, je vais mourir, eh ben non. Troll. Donc voilà, petite maison. Même si c'est pas ma maison. Une maison comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'avais fait en caméra battre le Wither, mais oh, je savais pas que ça pouvait faire ça. Ah oui, donc ma cabane est vraiment nulle, tout simplement. Bon, qu'est-ce que j'avais dit déjà? Parce que c'est bien beau de dire que ma cabane est vraiment nulle, mais bon. Pourquoi j'ai quitté, parce qu'en fait bah, je suis mort tout simplement. Vous pourrez me demander la graine de génération pour ce monde, hein, s'il vous plaît. Moi personnellement, non, pas du tout. Bon bah voilà, en fait, j'avais installé mon petit système, là, ma petite maison système. Hein. Du coup, bon, j'étais avec le Wither là déjà. Ah oui, voilà. Donc j'ai récupéré sa Nether Star. Hein. L'étoile du Nether. Mais bon, comme il n'y avait plus assez de batterie dans ma tablette, bah ça a tout simplement bah, lagué, si je peux dire. On va enlever tout ce stuff. On va plutôt améliorer le casque avant de perdre mes niveaux. Parce que je le sens que je vais perdre mes niveaux dans cette lave. C'est juste moi qui ai mal manié. Alors, est-ce que j'avais fait une mauvaise manie? Ou est-ce que c'est moi qui ai pas doué en fin de compte? Ou est-ce que en fin de compte, hein, je viens de dire en fin de compte, et eh ben mon système est nul. On va descendre un peu. Avec une armure, oui, on peut. Donc on va refaire le test tout de suite. Réapparition. Non, c'est bien beau de m'écrire réapparition sur mon écran, mais moi je veux vraiment réapparaître. Quoi. Le temps de la réapparition, on doit se connecter, hein. Donc bon bah en fin de compte on va s'attaquer bah, à la balise, hein. Donc le beacon pour les anglais. On va s'attaquer à beacon. T-beacon, the beacon. Voilà, donc pour les anglais, hein, qui regardent cette vidéo. Comme ouais, c'est vraiment long. On va faire une déco reco. Allez. S'il faut trop de temps pour vous connecter. M'en fous de me connecter, moi je veux réapparaître dans le monde. Il n'y a pas moyen sur la pluie star ou je sais pas quoi. Ma petite ellipse plutôt de s'y retrouver. Bon bah voilà, on se retrouve. Hein. Donc en fait, la graine de génération c'est 7, 1, 2 ou quelque chose dans ce genre. Du coup, on verra ça ensemble. Après, on va enlever ce stuff. Ça, on va le laisser, je sais pas pourquoi. Ça aussi, on va le laisser. Tout ça, là. Tout ce qui nous sert à rien. Enfin, ce qui nous sert, mais pour l'instant, à rien. Vu qu'on va améliorer notre casque pour l'instant. Voilà. J'ai qu'un niveau, malheureusement. Protection pour que les projectiles, je crois. Protection contre les explosions, hein. Même moi je vois rien du tout, je peux vous le dire. Hein. Vu que mon interface. Pas mon interface. En tout cas, c'est dans les systèmes de l'interface. Voilà, on va plonger. Boum, boum, boum. Oh, c'est parti. Bon, on va attendre de se régénérer déjà un peu. Voir ce qu'on va pouvoir faire ici. Bah, tout simplement, bah rien. J'ai envie de dire. Ah, au cas où on serait vraiment en danger dans ce. Peut-être qu'il faut courir avant, c'est une petite astuce, non? Hop. Je peux courir comme ça, on va plus vite. C'est une connerie ce que je raconte.
mal. Putain, encore le bug de leur apparition, s'il te plaît, non. Celle-là, la vidéo va déjà s'arrêter là. Déjà 5 minutes. Hein. De réapparition. Donc moi je préfère que vous passiez. Bon bah. Petite ellipse, encore un petit bug. Un gros bug même. Bon voilà. Donc on se retrouve. Donc je parle. Mais la balise, je l'ai toujours pas fait. Hein. Donc déjà il faut ça. Je crois que j'ai déjà fait chauffer du sable. Là, ça doit être en dessous alors. Oh, où est-ce que j'ai mis mon sable? Enfin, pas mon sable. Mon verre. Ah, j'ai tout transformé en bouteille. En fiole d'eau. Je crois que j'avais des potions de résistance au feu. On s'attaquera à ma petite maison plus tard. Je regarde. Ah oui, c'est vrai, c'est là. Passer en fin de compte. On va récupérer déjà 4 ou 5 sables, je crois. Ben voilà, ça c'est fait. Ah oui, donc le temps que ça chauffe, on ira voir un bug que j'ai trouvé en fin de compte. Hey, j'ai trouvé un bug. Voilà. Donc, je sais pas si en même temps qu'on est dans le laser, et bien le bug le char. En tout cas, le bug du creeper n'est plus là. Hein. Le creeper est bien en bas, il est bien présent, mais il ne nous explose pas dans la gueule direct. Donc voilà, donc vous voyez que là il y a Fleury en deux fois, Fluffette en deux fois, Canine en une fois, vu que c'est mon dernier chien, Fluffy en trois fois, Fluffy en plusieurs fois, bref, Fluffy en quatre fois même. Mais regardez que quand je pars avec, et vous allez me dire, ah non, c'est parce qu'ils sont assis, mais non, en fin de compte, même quand ils sont debout, ils viennent pas. Donc j'avais déjà renommé un petit chien Fluffy, je sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs. Bon, du verre, ça va bientôt être bon. Il en manque, on va regarder le craft de la balise. Ça va être là. Non, sûrement pas. Là, quelque part dans ces environs. Non, non. Toujours pas. Où est-ce que ça peut bien être? Ah bah tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Écrit là-haut, donc apprenez à lire avec Enzo et Fluffy. L'interface de balise qui vous permet de choisir des pouvoirs à attribuer votre balise. J'ai rien compris.
de choisir les pouvoirs à attribuer à votre balise. Donc, merde, il y a un truc dans la bouche, c'est dégueulasse. Voilà, dans le menu de la balise, vous pouvez sélectionner un pouvoir principal pour votre balise. Plus votre pyramide a d'étages, plus votre choix de pouvoir sera large. Une balise posée sur une pyramide d'eau, 4 étages, permet de choisir le pouvoir secondaire de régénération ou un pouvoir principal plus puissant. Pour définir les pouvoirs de votre balise, il vous faudra sacrifier un lingot d'émeraude, de diamant, d'or ou de fer, bien sûr, en placement de paiement. Une fois défini, ces pouvoirs émaneront indéfiniment la balise. Donc, bah on a du fer, on va poser un petit lingot de fer. Hein. D'accord, ok. Je peux pas mettre ok normalement, qui est juste là. Non, bah ouais, je sais pas comment on fait. Peut-être on peut appuyer sur régénération, force, rapidité, acte. Je sais pas. On va laisser ce petit lingot de fer dedans, hein. Il aura rien fait de mal pourtant. Pour voilà, je sais pas comment ça s'utilise, donc vous pourrez me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-le moi. On va pouvoir récupérer tous les trucs. Normalement, il me semble que j'ai. Oui, bon, le diamant, ça c'est sûr, j'en ai. Mais l'émeraude, moi je parle. Genre... Pourtant, j'aurais été sûr que j'en avais un. Hop, non, non, non. Ah, l'or, je l'ai pas remarqué. On va reprendre du fer encore une fois. Bon, maintenant, pas moins que je l'ai loupé. Bon, on va pas s'attarder sur ça. On va bientôt s'arrêter ici. Donc on va voir un peu notre bicône, notre balise. Bon, si on met un lingot d'or, qu'est-ce que ça change? Pour l'instant, j'ai l'impression que rien ne change. Je sais pas comment ça marche. Il n'y a pas moyen de le mettre là-haut. Non. Le mec qui connaît rien du tout. Carrément. Ah, peut-être qu'il faut carrément tout mettre d'abord l'émeraude. Ah, ouais, quand même. Ça se trouve, je l'avais sur moi. Je sais pas. Mais pourtant, je suis sûre d'en avoir vu un. Hein. Enfin, d'en avoir vu. D'en avoir un. Hein. Pas pour dire, mais autant c'est cool. Ouais, non. Là, je vérifie bien. Non, je vois pas. Et non, je vois pas. Bon, bah voilà. Hein, donc, on va s'arrêter ici. Hein. Bon, bah, peut-être là-dedans. Non. Bon, bah voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.